Hey, le gros, tu te rends-tu compte comment on se met tout le temps dans la marde avec ces hosties de chars-là? On a trois pareils, pour faire du moonshine à côté. Ça me fait des problèmes, toi, man? Ah, ouais? T'as encore rien vu. J'ai hâte de voir ça. La police nous fait pas peur. On est les Moonshine Riders. On aime la vitesse, on fait la course. Le gaz au fond, rien nous fout la frousse. Remplir les tanks, soit on tourne ou bien dans le corps. La valeur sûre, c'est du moonshine. Y'a rien de plus fort. Hors la loi depuis longtemps, hors la route depuis des heures. Notre devise, la vie c'est moonshine. Yeah.
ton antenne plus haut. Ah ouais, ouais, c'est mon antenne. Vous savez, les Moonshine Riders finissent toujours par s'en sortir. Parfois, de justesse, mais bon. De l'autre côté de la rive, les Moonshine Girls continuent leur mission d'approvisionnement d'eau de vie aux travailleurs partout au Québec en offrant la meilleure qualité sur le marché. Yes! Ah. Ça va bien finir la job, ça, hein? Bon, d'après moi, oui. Yes, sir. Hein? Tu verras plus tes coulisses? Ouais, on les verra plus. Hey, ça va sauver ma retenue, ça. Oh, oui. Yes! Ça va bien, en tout cas. Alright. J'espère que tu vas être content. Tu me lances une petite film et que tu envoles un autre batch. Yes. Le temps qu'on se prépare. Puis, je te souhaite une bonne job. Merci. Salut. Salut. Ciao. N'oubliez pas, la vie est Moonshine Riders. Les adeptes de cette eau énergisante à saveur forte est rendue un must pour tous. Être si près du but, c'est avec une autre défaite que nos policiers ont dû faire face. Ils doivent trouver de nouvelles méthodes plus rusées pour les démasquer. Pour certains, toutefois, l'espoir de coffrer une bonne fois pour toutes les Moonshine Riders serait une victoire appréciée. Contrôle véhicule 50-60 et 50-61. On vient de recevoir une information qu'il y aurait un groupe de véhicules dans le secteur du boulevard de l'Université, près du Triolet, qui effectue des shows boucan. Selon notre plaignant, il pourrait s'agir des Moonshine Riders bien connus à l'ouest de notre territoire. 50-60 au CGA, on est en direction. Hey, hey, salut, petit gars! C'est mon oncle Rasco. Avez-vous besoin d'aide? Voilà, bien, penchez-vous! C'est Gérard pour le 19-2. Le bel écoute. On va avoir besoin de votre backup pour une course poursuite. Salut les copines! Avancez-vous de là! Rasco Pick and Trail est là, ça va t'écouper. Programme principal pour des nouvelles de dernière minute. Une poursuite policière haute vitesse se produit présentement à Sherbrooke. Allons rejoindre notre collègue Kevin qui est présentement sur place. Donc oui, effectivement, Karen, nous sommes sur le boulevard Université, là où nous assistons à une poursuite extrêmement dangereuse. Mais tu sais, il y a là où pas moins de 5 voitures Generali sont impliquées dans la poursuite. Comme vous pouvez voir, passer juste à côté de moi, c'est incroyable! Selon nos sources, il s'agirait d'un convoi transportant une quantité vachement folle de moonshine. Que ça
s'arrête. On va faire de quoi, là. Écoutez, on ressent présentement une intensité palpable provenant de la police, mais on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ne font rien. Oh, et en voulez-vous de l'action? On assiste ici présentement à une situation complètement hors de contrôle. On a du monde qui se sont arrêtés sur le bord de la route pour filmer avec leur cellulaire. C'est complètement irréel. C'est incroyable. Ce n'est une situation qu'on va voir une seule fois dans votre vie. Oh boy, en voulez-vous de la boucane? Hey, on assiste ici à toute une situation avec beaucoup d'action. Sergent de patrouille au véhicule qui forme le barrage. On a reçu une information qu'on doit les laisser passer immédiatement. Oh, un instant! Les policiers semblent se retirer afin de laisser passer les fugitifs. On se pose maintenant la question, la corruption serait-elle à son comble? En tout cas, laissez-moi vous dire, là, si les policiers se font prendre, là, ils vont passer tout un mauvais quart. À toutes les unités, tous les coups sont permis. Je répète, tous les coups sont permis. Vous les lâchez pas. Monsieur Angelo, on se présente Jack. Jack? Oui. Jack, es-tu sérieux, Jack, là? Vous autres, les boys, êtes-vous vraiment sérieux? Vous pensez que vous autres, on va laisser juste pour ça? Hey, ça rentre même pas dans la valise de mon char. Là. Combien que t'en as besoin? Au moins 5 fois ça. C'était pas ça qu'on avait dit. Ouais, c'est pas ça qu'on s'était entendu, là. On est en chemin, là. Si vous en voulez plus, on peut vous en livrer d'autres encore. Quand? Quand vous voulez. Le plus tôt possible. Moi, j'ai déjà des clients qui en attendent, là.
écoutez, M. Angelo, on vous a livré du concentré. C'est la meilleure qualité. Si vous en voulez quatre fois plus, on peut prendre toutes nos caisses, mettre ça dans nos générales, puis les diluer, puis vous ramener quatre fois plus de caisses, vous en aurez pour la même argent. C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Whisky. Ouais, Whisky. Ton boss, c'est Jack? C'est mon cousin. Ton cousin? Il n'est pas l'air bien, bien fiable, ton cousin, parce qu'on s'attendait pas à voir ça, on s'attendait bien plus que ça. Quand Candy m'a parlé, là, il dit, garde, là, il va en avoir du stock, là, réussite. De toute façon, ben, là, Chris, là, si vous en voulez pas, là, laissez-le là, on va le vendre ailleurs. Ah, écoute, ben, Duke, là. Un peu de respect, là, M. Angelo, hein. Nous autres, on est venus ici, là, avec ce que Jack nous a dit. Oui, là, la dernière fois que quelqu'un m'a appelé le père, là, c'est ma fille qui m'a appelé le père. Il n'y a personne d'autre qui peut m'appeler le père. T'as-tu compris, Duke? Hey, ça fait deux heures qu'on se fait chier à charrier ça, là, pour les vous que ça vienne! Tasse ta poubelle, nous autres, on s'en va, c'est-tu? Non, oui, s'il y a de quoi, t'as fait rester pogné avec nous autres, ici. Non, non, non. Tu le veux-tu ou tu le veux pas? Oui, ça vient, nous autres, on décolle. Mais gardez-moi Jack. Jack est à moi. Je vais pas l'arrêter. On va le faire. Là, là. Mais là. Oh, t'as une minute. Hey, lâche-moi. Yes, ça t'a quoi tirer dessus, toi? Lève-toi, les gars. Hey, merci. Hey. Hey. Arrête, là. Laissez-les faire. Ils sont pas dessus. Laissez-les faire. Ça, il a embarqué par-dessus. Il est en train de l'écraser. J'avoue que ça se termine qu'on s'en va. Ouais. Non, non, c'est moi, Marianne. Ouais, là, c'est là. Là. Tu fais de quoi? Là. Tu m'as compris, là? Je répéterai pas, je te dis, c'est la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi, Joe? C'est quoi, là? C'est quoi, tu parles, ça? Moi, là, t'as pas besoin de t'inquiéter que je suis. Petit minable comme vous autres, là, on a vu en marche, on est capable de s'en occuper. OK? Si ça sera pas là, vous allez avoir les petits calls de vos boss. OK? Ouais. Ça va être réglé. Ah, ouais. C'est quoi ton nom? T'as pas besoin de savoir ça. C'est pas grave. Ton boss t'a-t-il appelé? Ouais, mon boss m'a appelé. Bon, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, ton boss? Il m'a dit de m'accalmer, puis d'arrêter, puis de lâcher les gars. Bon, mais c'est ça. Ah, moi, ce que je veux savoir, c'est t'es qui? T'as pas besoin de savoir ça. C'est pas chez vous, toi. Des petits minables comme vous autres, c'est pas ici. Oui, là. Prends tes petites menottes, puis ton petit fusil, puis des calices, OK? Parfait. On va s'en voir. On va entendre parler de nous autres. Bye! Commandant, bonne fin de soirée. Bye bye! Là, on fait du moonshine la nuit, on va livrer le show. Ton père t'a jamais dit, c'était pas poli de pointer un arbre sur quelqu'un? Monsieur l'agent, ça a juste pas de bon sens. Hey, à ceinture, là, c'est moi qui fais, oui. C'est quand qu'on dort là-dedans? Mais non, on va falloir arrêter de niaiser, là, puis runner les fesses serrées, là, parce qu'on va. On va se ramasser en dedans. Tu sais, Frank, que t'es le moonshiner de la plus recherchée du Québec? Ah, oh, ouais. Tu sais que ça peut nous mettre dans la marde, ce job-là? Un peu, oui.